Bonjour, nouveau vlog. Nous sommes vendredi et je sors d'une migraine hier. Elle m'a clouée en fait, la migraine qui a duré de 7h du matin réveil jusqu'au lendemain. Habituellement, ça se calme un peu le soir, mais alors là, pas du tout. Donc, nous sommes le lendemain et je me sens comme après une migraine, complètement crevée. J'ai plus mal, mais je suis naze. Voilà, donc je vous prends quand même, puisque quand j'ai la migraine, c'est juste pas possible. Je peux pas filmer, je ne peux pas parler. Là, ça va, ça se voit, ça va quand même mieux. Et tant mieux, parce que j'ai forcément pas mal de taf que j'ai pas pu faire. Si, j'ai bossé hier matin, mais hier après-midi, j'ai pas pu. Je suis dégoûtée, regardez. Mon petit grille-pain tout mignon, finalement, que j'ai eu il y a pas si longtemps, il fait tout sauter. J'ai fait du pain. Au moment où ça a sauté, tout a sauté dans la maison. Donc, il reste pas bien, tu l'utilises plus. Voilà, et je vais faire comment pour mon pain grillé? Il s'en fout, lui, il prend pas de pain grillé. Non, mais en plus, au four, ça consomme trop. Je vais en reprendre un autre, je pense que c'est pas un truc qui coûte cher. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le prix. J'ai reçu ce matin, donc forcément, je ne vous montre pas, l'un des 5 articles dans plein de cartons. Il faut que je fasse tout l'inventaire, donc je compte forcément avant de... Pas de valider, c'est validé, mais il faut que je compte pour faire un petit retour à la marque. Je vais commencer à envoyer tout ça peut-être... À commencer à faire le 12 ou le 13, donc d'ici quelques jours. Voilà. Mes cheveux, bon bah écoutez, je commence à m'y faire. Je commence. Nous sommes donc vendredi, Eric n'a pas cours cet après-midi, exceptionnellement. Donc ça c'est très bien. Je crois qu'il doit faire contrôle technique, faut qu'on aille à déchetterie, franchement, flemme. Flemme, mais faut le faire. J'ai perdu Jack, là. On sait où il est. Je l'ai trouvé. Maman, elle était inquiète. Maman, elle trouvait plus Jacquet. Sait-il où il est parti? Il a fait sa valise. Tu veux partir en vacances? Tu veux que ta maman soit triste? C'est ça, tu veux? J'ai une tonne de linge à plier. J'ai fait 3 lessives parce que j'ai fait un énorme tri entre ce que je mets au relais, là où on dépose les vêtements, entre ce que je vais vendre, entre ce que je vais garder, entre ce que je vais mettre une autre saison, enfin bref, je vous ai dit 3 lessives. Faut que je plie tout, faut que je range. C'est pas franchement mon délire, moi, tout ce qui est tri, tout ça. Tu as des femmes, mais c'est leur truc. Moi, je sais que ma maman, comment on peut appeler ça? Une fédulogie, enfin bref, elle repasse même ses... comment ça s'appelle? Ses mouchoirs, vous voyez? Moi, je suis pas là-dedans. Je pense que ça a dû sauter une génération. Autant dans mon boulot en tant que... avec la boxe, je suis hyper rigoureuse. J'aime que tout soit bien, mon papier de soie, enfin tout soit déposé. Je suis hyper exigeante. Mais ça me dérange pas que les fringues soient pas triées, qu'il y ait des choses qui traînent. C'est pas quelque chose qui va me perturber. Vous voyez? Je sais pas si c'est paradoxal ou pas. Oui, je fais mon sport en même temps. Bah oui, hier, j'étais pas bien, j'ai pas fait le sport. Hein. Voilà. Tu es rentrée? Oui. J'arrive. Ça y est, t'es en week-end? Oui. T'es content? Oui. On sort des courses. Là-bas. Là, je vais passer à Maxiso pour les croquettes du Jackie. Et je rentre. Je pense que ce week-end, ça va être off. Oh là, je suis naze. Je sens qu'il faut que je fasse une petite pause. De retour, j'ai laissé Eric qui était au contrôle technique. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympathique? J'ai envie de manger plein de crudités. Plein. Ça y est, c'est parti. Bon, je vous fais un petit retour de course rapidement. J'ai tout mis ici. Les carottes. Ça, c'est parce qu'en ce moment, je me fais des roses des neiges. Non, roses du vent. Des rosaces. Le chocolat, parce que je vais me faire... je fais les petits desserts, vous savez, les céréales. Avec le chocolat noir, ça fait des rosaces ou des... Comment on appelle? Des rosaces, je crois. C'est super bon. J'ai repris, ça faisait super longtemps, mais c'est vraiment mes desserts préférés. Hein. La petite forêt noire bonne maman. Ouf! Ok, elle est bonne. Donc ça, alors vous allez vous dire, oui, c'est des sachets, c'est pas bon. C'est que des A. Franchement, il y a tous les nutriments. Ça dépanne le midi. Nous, on aime beaucoup. Ça, c'est pour Eric. Moi, j'ai voulu tester cela parce que franchement... quand il y a à base de lait ou quoi, j'ai du mal, ça me fait mal au ventre. Alors que là, il faut que je teste. Lait de coco, ça passe ou ça casse, à la grecque, mangue. Franchement, vu comme ça, ça m'a l'air pas mal. Hein. Je n'avais plus de café, en tout cas mon café carte noire. Et toutes les autres capsules, franchement, qui sont là, c'est Eric qui les prend, parce que moi, je suis pas fan. Hein. Les croquettes pour baby. Mozza pour aller avec mes petites carottes crues, mon huile d'olive. Je me suis remise à la feta. Ça, tous les jours, j'en mange. Douceur de pêche, c'est les seuls que je prends. Pff, excellent. Excellent.
des poires mûres à point, elles sont quand même très dures. Ça va, on te dérange pas? Ça va? Merci. Avec ma nouvelle coupe, j'avais envie de me tester des nouvelles coiffures. Et je pense que ça, le format, c'est un peu plus gros que celle que je prends habituellement. Ça me... La tête dans le kiwi, dans l'avocat. Et ça, c'est Eric, il se prend ses végétales, c'est au petit pois. Moi, je les trouve un peu écœurantes. Je me suis pris un nouveau gel douche, donc c'est le petit marseillais, framboise pivoine. J'aime bien varier. On a également pris, il a pris des glaces à l'eau, des pizzas. Je suis en train de me décomposer, je trouve. J'ai le visage, les yeux, plus ça va, moins ça va. Dimanche de Pâques, je reprends petit à petit forme humaine. En fait, quand je vous ai laissé, j'étais en train de tomber malade. Moi qui pensais que c'était de la fatigue, pas du tout. Hier samedi, j'ai pas vlogué, hein, j'étais fièvre. Dans l'incapacité totale. Ce matin, franchement, ça va un petit peu mieux. Même si je sens que je suis un peu fiévreuse. J'ai un peu le nez pris encore, mais c'est gérable. Il faut que je prenne l'air. Je sens qu'il faut que je prenne l'air. J'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir. J'en peux plus, en fait, d'être restée comme ça. J'ai regardé des séries toute la journée. C'est cool, mais à un moment donné, c'est overdose. Il est quoi? Ah, il est 13h05. On a dit que peut-être on allait grignoter quelque part pour profiter. Je vais passer aussi voir ma maman de loin, lui faire un petit coucou. Je vais mettre le gilet. Et voilà. Dimanche de Pâques, par contre, j'ai comme un doute. Peut-être qu'il aurait fallu réserver. Bon, on verra. De toute façon, on trouvera toujours quelque chose. Oui, allô? Oui. Il n'y a pas de soucis, c'est bon. J'aurai de la place. Merci. J'ai appelé, ils ont regardé, c'est bon, il y a de la place pour deux. Pour qui? Pour quand? Bah pour dans 10 minutes, un quart d'heure. Et où? Dans ton... Buffalo. D'accord, très bien. Oui, parce que les autres... Oh bah t'es beau toi, les autres restos, c'est pris d'assaut. Joyeuse Pâques, mon lapin. Ça me fait penser au film Joyeuse Pâques avec Sophie Marceau. D'accord. Bonjour, la culture cinématographique. J'en ai plein d'autres, vas-y. Tu vas voir. Joyeuse Pâques. C'est pas Joyeuse Pâques? Avec Belmondo. Oh, enfin, c'est un film un peu malsain. Quoi. C'est sûr que là... Mais si avec celui-là, il y a tellement de films où, d'ailleurs, on est choqués aujourd'hui, on se dit... Ah ouais, quand même. Moi, la différence d'âge, c'est pas un truc... Bon, alors, ah ouais. Je l'accepte, parce que si c'est entre adultes et consentants, mais... Et nous, on a quand même on a 8 ans, nous, deux. Hein. 8 mois, oui, c'est ça, exactement. Non, 8 ans. Pardon? Okay. J'avais 10 ans avec... Tu prends la caméra, t'attends que je sois à côté de toi pour raconter ta vie antérieure avec ton ex. Mais non, mais c'est vrai, j'avais 10 ans avec... Et elle assiste. Premier repas en extérieur. On a osé, franchement, il fait beau. Hein. Eric, lui, il est bras nus, moi non, quand même, pas déconner. Je suis encore un peu malade. Tu sais que le froid, c'est culturel. Et deuxième chose... Je crois que tu l'as déjà dit, ça. Tu te répètes, bébé. Oui, ben, quand c'est vrai, on peut répéter. La pédagogie par la répétition. Sex on the beach. Salut. Je ne sais pas rentrer le plat, moi j'ai pris un saumon, mais alors ta glace, ça creamy. Hein. Je prends un petit café gourmand avec un café à manger. J'explique quand même. On est passé voir ma maman et je suis quand même la seule meuf en France qui se balade. Qui se balade un dimanche de Pâques avec une mallette. Ouais. Elle va où? Elle va à la boulangerie, elle s'est acheté une baguette. Où tu vas avec ta mallette, je vais m'acheter une baguette. Où tu vas avec ton sac à dos, je vais m'acheter une tarte à l'abricot. Tu vois? Merde, j'ai failli me casser avec elle. Là, est-ce que je filme, mais je vois pas où je marche. Au final, il n'y avait plus de pain. Qu'est-ce qu'on a pris? Pardon? Pour demain matin, vu qu'il n'y avait plus de pain. Alors, faut-il dire chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Donc on a pris 4 pains au chocolat, nous sommes 2, faites le calcul. Eric en mangera 3. Oui, parce que Eric, il considère que le matin, c'est le moment où tu te fais du bien. Ça m'a fait grand bien quand même d'être sortie. Je vais me mettre à l'aise, je vais prendre une infusion avec du gingembre et je vais me poser parce que mine de rien, je suis un peu convalescente. Je sens que, voilà, faut pas que je pousse trop quand même, mais c'est cool, il doit être 5h30. Ouais, c'est ça. Il paraît que c'était le carnaval, on arrive... On arrive à la boulangerie et on voyait des confettis partout. On était en train de balayer. On lui dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était le carnaval hier, il y avait plus de 900 personnes. Je n'ai rien entendu pour vous dire à quel point j'ai été dans le flou. Parce que nous, on habite en ville. Hein. C'est ouf quand même. Dans l'état de la fille, tu as quelque chose à dire à ta maman? Oui? Voilà, tu l'aimes beaucoup, ta maman. Dans l'état ici.
On les réchauffera, ça sera meilleur. Par contre, là, je vais les cacher parce que Jack, il te le prend, il te le monte, il te le mange. J'hésite. Qu'est-ce que je vais me prendre? Ah bah non, j'hésite plus. Je vais prendre celui-là. Camomille, miel, cannelle. Parce que celui-ci, coup de peps, il a du gingembre. Et celui-ci aussi, du coup, ça va faire double emploi avec mes petites lamelles. À chaque fois que je dis à des personnes que je prends des petits bouts de lamelles comme ça, que je mets dans la bouche pendant longtemps, je le mâche. Parce que moi ça me fait vraiment du bien quand j'ai la nausée. Les gens me disent mais c'est pas possible, je déteste, je peux pas, ça pique, je n'aime pas. Et ils sont étonnés que moi j'apprécie, mais je pense que je dois être la seule quand même. C'est des petites lamelles comme ça. Je vais m'en mettre 3 à infuser et l'autre directement dans la boca. Donc si vous cherchez un remède naturel et que le gingembre ne vous écœure pas trop, c'est top, vraiment, ça fait passer les maux très rapidement. Franchement c'est ouf, c'est génial. Bah, ça faisait bien plaisir, ces pains au chocolat, surtout chauffés dans le four. J'avais vraiment l'impression de sortir de la boulangerie. Je suis vraiment partagée aujourd'hui, cet après-midi, entre l'envie de sortir et l'envie de rester là. Et le ciel n'aide pas, il est pas ouf. Et je crois que je vais rester à la maison parce que je me sens encore un peu fatiguée. Et j'ai plutôt envie de faire, comme je vous avais dit, pas mal de... finaliser en fait le tri des fringues. Et puis m'occuper un petit peu de la maison, à mon rythme. Je crois qu'il m'avait appelé. Tu m'as appelé ? Non, tu fais quoi cet après-midi ? Bah je sais pas, justement, je me demandais qu'est-ce qu'on fait cet après-midi. Réfléchis, tu me dis quand tu peux faire la réponse. T'as envie de faire quelque chose en particulier ? Non. Te promener ? Peut-être. Mais on peut rester là aussi ? Est-ce que tu veux, réfléchis. Ok, bon bah voilà. Voilà, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dans tous les cas, si on fait un truc sympa et tout, je le vloggerai. Là, il faut que je termine le montage, parce que j'ai commencé la première partie, donc je vais finir ça là. Et puis, on se reprend dans un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Ciao!